Service de chirurgie générale. Date du jour. Concerne Monsieur Daniel. Cher confrère, j'ai revu ce jour, à la consultation de chirurgie digestive, votre patient, Monsieur Daniel, que j'avais déjà vu il y a quelque temps pour un problème de hernie inguinale gauche, auquel le patient attribue des plaintes abdominales qui sont par ailleurs peu spécifiques de type douleur crampoïde. Le patient présentait par ailleurs un problème vésical pour lequel une chirurgie était indiquée en priorité. Actuellement, ce problème urinaire est résolu et le patient reconsulte afin de planifier une chirurgie de correction de la hernie inguinale gauche. À l'examen clinique, on retrouve toujours une hernie inguinale gauche partiellement réductible et sensible à la palpation. J'ai donc confirmé au patient l'indication de cure de hernie inguinale gauche avec interposition d'une prothèse par abord local mini-invasif. En accord avec le patient, l'intervention a été planifiée le 25 mars. Je vous tiendrai bien entendu informé du suivi.